Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, je fais souvent des sorties pour, n'est-ce pas, dénoncer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, j'ai un problème particulier avec les réseaux mobiles au Cameroun. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas pour la mauvaise connexion Internet. Ça, on connaît déjà et on ne se plaint même plus de ça. C'est pour quelque chose de beaucoup plus sensible. Vous savez, au Cameroun précisément, les réseaux de téléphonie MTN et Orange proposent des services bancaires, entre guillemets, à travers le Mobile Money. Donc, vous avez la possibilité d'avoir en quelque sorte une banque qui est liée avec le numéro de téléphone. Vous pouvez garder et retirer de l'argent. OK? Mais depuis un moment, il y a énormément de problèmes pour ceux qui font des transactions constamment, que ce soit dans le sens personnel ou bien dans le sens commercial. Dans le sens où vous avez des points de dépôt ou de retrait, vous allez remarquer ça. Il y a énormément de problèmes et je crois que c'est un sujet assez sensible. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Et si on arrive à des situations où, je prends un exemple que j'ai eu hier, je parle avec preuve à l'appui. Ça veut dire, vous savez, on ne peut pas faire des accusations comme ça avec des entreprises, comme ça n'importe comment. Je peux être accusé de diffamation, donc ce n'est pas du jeu. Hier, je fais un dépôt dans mon numéro de téléphone de 20 500. Mais je reçois 20 300. Ça sans aucune. Et je ne prête même pas souvent attention. Ça veut dire, si je ne prêtais pas attention, ou bien le nombre de fois que je n'ai pas prêté attention et que j'ai eu ce problème-là, je n'imagine même pas. C'est très grave. Ça veut dire, peut-être je me retrouve à faire des dépôts comme ça chaque fois, on me coupe de l'argent sans aucune raison. Pas de taxes à payer, rien. On ne me dit pas pourquoi on me coupe de l'argent. Quand vous appelez le service client, on ne vous donne pas une réponse conséquente. MTN m'a fait cela pas plus tard qu'hier. Et avec Orange, beaucoup de personnes de mon entourage se plaignent. Orange commercial, ça ne passe pas. Si c'est une transaction, ça veut dire système indisponible. Mais la transaction part quand même. Je pense qu'on peut encore laisser que vous ayez des problèmes avec le réseau. Avoir des problèmes de connectivité et internet, prix exorbitant, on peut comprendre, mais vraiment sur ce point, le point de l'argent là, c'est très sensible. Si on doit faire confiance, parce que c'est une affaire de confiance, quand je mets mon argent à Orange dans MTN, je fais confiance à ces entreprises là. Mais s'il faut que vous me coupiez sans raison, je crois que c'est dangereux, c'est problématique. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce problème là ou si vous avez des problèmes relatifs pareils qui se ressemblent. Dites-moi en commentaire. Parce que là, c'est très inquiétant. C'est inquiétant pour moi. Je trouve ça très inquiétant. Dites-moi ça en commentaire. Ciao.